Tikana prophétiser na vie. Bisika balinda bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien. Bon tout le monde. Tu vas savoir. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kosa yo na linye ya batu ba isapa makambu ya tenye wani. Esprit adoration et longo na biso. Yeah.
Nous t'adorons. Zambé Nabiso. Notre Dieu. Et longa Nabito. Notre victoire. Et Sego Nabiso. Notre joie. Kimia Nabiso. Notre paix. Kumisama libela na libela. Sois exalté à jamais. Sanjolama libela na libela. Sois magnifié à jamais. Toye paina yo na tango. Nous venons à toi en ce temps. Nous te demandons, parle-nous. Là où nous trouvons dans nos maisons, laisse que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Pambola, béni, Bekisa, délivre, Kangola, guéri. Au nom de Jésus, na kombo na Yesu. Nous gérons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que malgré que vous avez eu un peu de temps, j'essaie une chose, que tel que tu me suis là, ta vie ne restera pas la même. La parole de Dieu change. La parole de Dieu affecte. Et le banzambe bongolaka, le banzambe simbaka. Et le sambunanga eko simba yopele lo na kobo. Amen. Ma prière est que cette parole te touche encore aujourd'hui. Tuzana sanza na biso. Nous sommes dans notre mois. Dege to yebi. Sanza na biso ya exemption totale. Nous sommes dans notre mois d'exemption totale. Voilà pourquoi tu m'as dit que le bana oyo italaki. Nous sommes rachetés pour être exemptés. Depuis le début de ce mois, nous développons ce thème de Soumama qui peut te toucher ma bébé. Dernièrement, le bagina ou étalé la force de la foi. La fois passée, nous avons parlé Nanguya dans ma casse à Kondima. So, nous avons continué aussi dans l'île 1. Et je continue sur cette lancée. Bien aimé, Olingami, il est écrit dans sa parole. Et comme Mina m'a commis ma santé, sans la foi. C'est impossible que ce pays s'assemble. Tu ne peux plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Foi, Ezaï Lokomoko Mutuya. La foi est une chose très très importante. C'est une chose qui a une place primordiale dans la vie. Dès que tu ne marches plus avec la foi, toi et Dieu, il y a inimitié. Ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est lui-même qui a dit ça. Gam dans le bien côté, c'est lui-même. Na kolinga to banda les sous na place to banda ki dernièrement na Hébreux 10:38 okomona patiba alobi akosepela te na celui oyo azongi na sima na kondima, parce que sans kondima mwezambe asunga yo ezati. Nous voulons commencer encore la fois là où nous sommes arrêtés la fois passée, dans Hébreux 10:38, là où Dieu a dit que sans la foi tu ne peux le plaire. Tanga pona ngai. Hébreux chapitre 10 verset 38 version Darby. Or le juste vivra de foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si quelqu'un se
regrettent. Zambe a sepe la kate na batu oyo batambo la kate na kondima. Dieu n'aime pas, n'apprécie pas ceux qui marchent sans foi. Parce qu'il est Dieu fidèle. Azan zambo azabo sembo. Tanga basio mususu. Version lingala. Bongo moto nangai oyo akomi bo sembo pona bondimi akobika. Kasi soki azongi sima na kosepela na yete. Kasi soki azongi sima. Mais s'il se retire, na kosepela na yete. Mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Tike moko tutwa et simba kamutema ya zambe eza kondima. Il y a qu'un seul ticket qui touche le cœur de Dieu, c'est la foi. J'aime la façon lingala lobi. J'aime la version lingala. Kasi soki azongi sima. Mais s'il recule, na kosepela na yete. Tu sais pourquoi? Amen. Parce qu'il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je suis venu dans ce monde. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant. Ces passages nous montrent que Dieu ne peut se plaire de toi si tu te recules. Si tu recules. Parce que moi, il ne peut t'aider en ce sens. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Dès que si tu ne crois plus, Dieu est incapable de t'aider. Lorsqu'il était rentré à Nazareth, en dépit de tout son potentiel spirituel, il était capable de rester le mort, de marcher sur les eaux, de multiplier la nourriture. Ailleurs, il a changé même l'eau en vin. Grand miracle. Il a fait des choses étranges. Mais il est arrivé chez lui. Mais quand il est rentré à Nazareth, village natal. Dans son village, à cause de leur incrédulité, il ne pouvait rien faire pour eux. Voilà pourquoi il faut tous à la banne en Zambé et à Kondima. Ainsi, nous devons être des chrétiens croyants. Si tu ne marches plus avec la foi, Dieu ne prendra plus plaisir en toi. Maintenant, et avec tout ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui, ils se sont projetés contre notre foi. Tout s'acharne contre Kondima. Voilà pourquoi il faut réanimer Kondima tous les jours. Ainsi, tu dois activer ta foi tous les jours. Nous allons les lire aujourd'hui dans les Écritures. Quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi encore sur la terre? Alors, bientôt, on va songer. Est-ce qu'on a beaucoup de lesions sur Kondima na mokili? Parce que Kondima est sans mutuya. Parce que la foi est très très importante. Même l'enlèvement, c'est par la foi. Attends qu'on ait de la main. Et ça n'a qu'on dit ma. Élie a banico déclaré quand tu me vois, hein, mon fils, mon disciple, Élisée, quand tu me vois, si tu me verras, quand je serai enlevé, au cause de double onction. Ok. Élie s'adressait même à Élisée, son serviteur, en disant, lorsque au commun n'anga commenté l'icolo, au cause de ma foute n'anga yami balé. Élie a antimi que à cause de la enlevé à son lobayango. Abi, au moni au lingi double et pas colamé. Amen. Même Élie croyait en l'enlèvement. Voilà pourquoi il assurait son serviteur, si tu pouvais me voir être enlevé, tu auras l'onction. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vivras. Kondima na yo eza parti ya makambo ekofia yo omata. C'est ta foi qui te permettra aussi d'être enlevé. Si tu ne crois pas à l'enlèvement, tu resteras sur tes biens que tu es chrétien. La foi est très importante. Version parole vivante. Or, il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle okay? Accédera à la vie par la foi. C'est dit ça? Mais s'il quitte ses chemins pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Si il fait quoi? Si
S'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. S'il quitte ce chemin et revenir en arrière, je ne fais quoi? Je ne lui accorderai pas ma faveur. Je ne lui accorderai pas ma faveur. C'est pour dire même ce qui aux autres faveur à jamais. Mon corps a force et qu'on bénit à faveur, au monde à faveur, au vivre faveur, c'est ta foi. Même si tu cherches, tu as besoin de la faveur de Dieu, la foi est un élément important pour la guérison. Zambia lingagate batu bazunga na sima na kondima. Dieu déteste. C'est l'idée au kédéliboso. Amen. Dieu déteste les lâches dans la foi. Il aime ceux qui avancent. Voilà. La foi est très importante. Kondimeza motuya makasi. Jusqu'à ce qu'il dit, les justes vivra par sa foi. Jusqu'à ce que Dieu dise que mon mouton continue à copier la condition. C'est le moment. Gonga tous les coyons. Et ça, Gonga, il y a démonstration, il y a condition. Amen. C'est le temps pour toi, chrétien, de démontrer ta foi. Alléluia. Amen. La tangue biographie, il y a un homme de Dieu, John Gillick, un missionnaire en Afrique du Sud. Fléau, mon coeur, bitamine, mon coeur, béti, la tangue, naé. N'a débat, n'a pas 18e. 18e siècle. Siècle. Yes. Et pour ma part. Pas ok. Il est dit, pas ok. Papi Bembe. Pas croire que tu peux pas au banga. Parce que c'est aussi mieux contaminé. Abimina baye koline. Azo sala moussala. Bango bazo koufate. Yes. Batuni se kile na bine zanina. Bibiso te loko si ma bisote. Nous sommes esprit dans la chair. Amen. So bolingo chemi virus wana micro virus wana omona ka degezo kufa abaniko déclarer son 23 yazo sambila en esprit bazo mona bache microscope soki telescope soki microscope microscope bache wana na ibi de ko na liga ko lo baboko soki microscope soki telescope soki astroscope bache amoni dege ezo kufa. Amen. Bango bazo kufa te. Parce que ma matin a des forces. La condition n'a pas de zambé. Amen. Écoutez, je viens te dire. C'est Dieu là est vivant. Zambé wana zana bon moi. C'est Dieu là est réel. Aza est solo. Qui te soit fait selon tu y as cru. Et salem elayo lo lenge yo zondima. Et soki yo zongi na sima na condition. Mais si tu te retires par ta foi, il a dit, son âme ne prendra pas plaisir en toi. Gongayango est tout consulté ni lobanaye parce que kondimanabiso et komata et kozala boosté dans zelaya ba promesse ya lobanaye parce que toi ibi ki azazambe akosakati. C'est le temps pour nous de consulter sa parole de Dieu dans ses promesses parce que nous savons qu'il est un Dieu qui ne ment point. Alléluia. Amen. Ce que tangi Hébreux 11 verset 6, comment? Si tu lis Hébreux 11 verset 6, même chose. Et le komoko zambe asepela katena batu bazonga kana kondi. Dieu n'aime pas ceux qui se retirent dans la foi. Voilà. Parce que tellement on appelle to l'obéti na définition ya kondi, que esa conviction, assurance, certitude. Ce foyer ba ke e ko ya na zela ya lilobanaye. Lilobanaye nde usine fabricateur ya kondi. La foi vient parce que on entend. La fois dernière, nous avions donné les définitions de la foi. Et nous comprenons que cette foi est tirée de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'usine fabricatrice de la foi. Ça la constate tant qu'on a un pareil message. Un message pour vous. Pour vous, vous avez un message. Nini, ozoyoka. Dès que vous avez un message, vous avez un message. Vous information négative. Information. Vous avez un keba. Parce que dès que vous avez un banga, vous avez un kufa. Mais dès que vous avez un matin, vous avez un vivre. Parce que les juste vivra par sa foi. Tu peux constater que lorsque tu suis ces gens d'enseignement, tu es rassuré, tu as la confiance en toi. Mais lorsque tu suis d'autres informations qui te donnent peur, tu attires la peur et ça t'attire des problèmes. Alléluia. Amen. La peur amène la mort, la foi amène la vie. Amen. Kobanga ememaka kufa, kasi kondima ememaka bomoi. Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Version d'Arabi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Sans la foi, ce qui conduit, il est impossible de lui plaire. Amen. Dernier mon corps. Hébreux 10, 38 à l'obé. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Place au temps, il y a Matthieu 9. Verset 23, il y a Tata Wana à l'obé. Si tu peux, aie compassion à nous. Yesu a compris que ça allait le côté. Ti, condimanae. Ti à l'obé. Je crois. Après, délivrance et salamé. Jésus a dit à ce papa-là, tu peux dire si tu peux, mais si tu ne crois pas, rien ne peut se faire. Lorsqu'il a cru, la délivrance de son enfant est arrivée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi est très importante. Kondimaiza motuya makasi. Version lingala. C'est-à-dire la conviction est très importante. Kondimaiza motuya. La foi, c'est la conviction. Kondimaiza ko suki sama. Pour être convaincu. Il faut tu dois entrer dans les écritures. Tu dois savoir qu'est-ce que ton Dieu a dit. Tu dois savoir comment agit-il. Quand tu le comprends, c'est cela qui naîtra la foi dans ton cœur. Parce que la foi naît de ce que nous entendons, entendons mille fois de la parole de Dieu. Version Lingala. Hébreux 11, verset 6. Car si ceux qui moto azali na bondimité, a koki ko sepeli sans zambete. Ceux qui moto azali na bondimité, ozon dimate, o ko sepeli sans zambete. Amen. Ozomona. Kondima est un instrument moko. Très capital na marche na yo spirituellement. La foi était un instrument très capital pour na botambo na yo na molimo. Alléluia. Amen. Voilà. Bongo moto nyonso oyo alingi ko pousa na pene ya Nzambe asengeli kondima te Nzambe azali pe apesaka lifuta na ba oyo bazali ko luka ye. Apesaka lifuta na ba oyo bazali ko luka ye. Esengeli andima ke Nzambe a et cela doit croire que Dieu existe pour recevoir leur salaire. Bien-aimé, olingami kotikate information o za contre liloba ya Nzambe et boma kondima na yo. Ne laisse aucune information contraire à la parole de Dieu atteindre ta foi. Dès que ozo tie matoi na yo ko yoka négativité, négativité, négativité. Yebake ekopuma kondima na yo. Lorsque tu donnes tes oreilles à écouter les fausses informations, les informations négatives, ça tuera certainement ta foi, bien-aimé. C'est le temps to yoka mingi oyo zambe azoloba. Et zatango pona biso to tia matoi à ce que Dieu est en train de nous dire. Romains 10, 17, à l'obé, la foi vient par ce que un on entend et on entend de la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Romain, la parole de Dieu, pas des hommes. Amen. Romains 10, 17, à l'obé, kondima eyaka na oyo tozoyoka tozoyoka na maloba ya Nzambe kasi ya bato te. La parole des hommes donne la foi, donne la peur. La parole des hommes donne la peur. Mais la parole de Dieu donne la foi. Maloba ya bato ebangi saka eningi saka lengi saka kasi ya Nzambe etombola ka kondima. Lelo, aujourd'hui, mon libre ezo sikule na mokili. L'esprit qui circule dans le monde aujourd'hui, to benyango esprit de peur. Nous l'appelons mulimo ya kobanga. Kokota na je wana te. N'entre pas dans ces jeux du diable. Kokota na je wana. Ne te laisse pas emporter bien. Aliga kakote. Dieu n'aime pas la peur. Dieu marche avec la foi. Nzambe ata molara na bondimi. Avec la croyance. Na ba ibandimaka. La conviction. Na toba toba suki sama. Et salemi la yo. Qui te soit fait. Et l'andisama. Suivant. Le lengue bondimi. Ta foi. Alléluia. Amen. Tokei.
na Hebreu, amen, na Luc 18. Luc 18. Luc chapitre 18. Luc 18, verset 1 jusqu'à verset 5. Luc chapitre 18, verset 1 à 5, version Darby. Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier et ne pas se lasser. Version Lingala, Luc 18, verset 1. Bokolomoko Yesu abedili bango lisapo. Pona kola kisabango te, basengeli kobondela nzambe tango nyonso pe kolemba ata mokete. Verset 2. Disons, il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Verset 2. Alobi, namboka moko ezalaki na zuzi moko, azalaki kobanga nzambe te, azalaki pe koto sabato te. Verset 3. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve, et elle alla vers lui, disant, venge-moi de mon adversaire. Verset 3. Moi si moko pe azalaki kuna akufela mobali. Mikolonyo soye azalaki koya e pa ya zuzi pe ko senga ye. Longi sangai pambate basalingai mabe. 4. Il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et je ne respecte pas les hommes. Verset 4. Banda kala zuzi wana azalaki kaka kolinga te. Kasi na sima ami lobeli. Ata na banga kanzambe te. Pe na tosa kabato te. Verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. 5. Kasi, na kolungi sa moi si oyo, pou azali kotungi sangai. Soki boete, akobanda kaka koya kotye langa makelele. Continue. Verset 6. 6. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Verset 6. Mokonzi abaki si. Boyo kandenge zuzi oyo yamabe alobi. 7. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui illusent de patience avant d'intervenir pour eux? 7. Bongonzambe akoki kolongisa bato oyo ye aponi soki bazali kobondela ye butu moyi. Verset 8. 8. Je vous dis donc, bientôt il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Verset 8. Nalobi nabino, akolongi sabango noki. Kasi tango mwana ya moto akoya. Bokanisi akokuta bondimi awa na mokili. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyoki. Tu as entendu? Alobi soki mwana batoye. Est-ce que akokuta na kondima? Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi dans le monde? Ce qui te lie en go. Si nous le lions. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Et sabiso. Ça nous montre que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et longa na bango, ezaneni kodima. Et leur foi, c'est leur foi. Leur victoire, c'est leur foi. Dans le Awa monde. Lobby. Ici, il a dit, ce qui moi n'a pas joué, si le Fils de l'homme revenait, à Kokuta nana kondima na mokili, c'est-à-dire na mokili oyo, ozana besoin kondima po olonga. Il a dit, si le Fils de l'homme revenait, trouvera-t-il la foi dans le monde? Pour nous dire que dans ce monde, pour vaincre, tu as besoin de la foi. Alors, mais quand le Fils de Dieu sera venu, tant au moins, n'a kozonga, trouvera-t-il la foi à Kokuta kondima sur la terre? Namokili. Mais quand le Fils de l'homme viendra, tango mona na moto, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Akokuta kondima na mokili. Tout le bago bien. Mieux pour mieux. C'est-à-dire sur la terre. Namokili awa. La foi est obligatoire. Kondima eza mobeko. On a besoin de la foi sur la terre. Nous avons tous un apôtre kondima na mokili. C'est ça. Yango. Yango alobi akosepela nayo te soki ozana kondima te.
c'est pour cela qu'il nous a dit qu'il ne se plaira pas de toi si tu manques la foi. La foi. Condiment. La foi. Condiment. La conviction. Osukisama. L'assurance. Otutama. La certitude. Kosukabeza. Version le livre. Oui. Oui. Verset 8. Oui. Il ne tardera pas à faire ce qu'il lui demande. Mais voici la question que je me pose. Lorsque je reviendrai, moi le Messie, combien trouverai-je d'hommes qui ont la foi et qui prieront? C'est-à-dire, Jésus revient bientôt. Quand je reviendrai, moi le Messie. Est-ce que je trouverai la foi? L'enlèvement, c'est par la foi. L'enlèvement est un condiment. Konetolama est un condiment. Ce que on dit, on m'a dit. Si tu crois, tu seras enlevé avec Jésus. Si tu ne crois pas en l'enlèvement, tu resteras sur terre. Voilà pourquoi il a dit, quand je reviendrai, est-ce que na kondima? Trouverai-je la foi? Bien-aimé, Olingami, wapi kondima na yo? Où est ta foi? Tu peux seulement booster ta foi par la connaissance de sa parole. Et koyaka kana na luba nzambe. Tu peux seulement booster ta foi. Okoki ko booster kondima na yo. Au maximum to ya kondima na yo na nzela ya liloba ya nzambe. Tu peux nzela ya koyi boyebi. Ozana. Tu peux enflammer ta foi par rapport à la connaissance que tu acquiers ou ce que tu peux lire dans la parole de Dieu. Et loko balobi oko vivre na yango. Et loko ba comparer na souffle na pema. Ezotali sayo ke eza mutuya. C'est qu'on compare avec le souffle de vie est primordial. Là où il n'y a pas de connaissance de Dieu, il n'y a pas de foi. Et si kaboye bien nzambe ezate kondima pe ezate. Daniel a lobi. Daniel a dit: ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et faisaient des exploits. Bien aimé, c'est le temps que nous nous donnions la connaissance à l'Ilobaza. La connaissance, la parole de Dieu. Pas la connaissance à Makamamokili. Et non pas à la connaissance à Bilokamokili. Parole à Mokili et Kobotisako. Kobanga na kati na yome parole ya Zambe et kobotisa kondima na kati na yo. Les mots des hommes créeront en toi la peur, mais la parole de Dieu naîtra dans ton cœur la foi. Et la peur tue, mais la foi fait vivre. Kobanga boma kamolinga mi kasi kondima pesa kabomo elikia. Est-ce que tu vas quoi zoyoka? Y a-t-il quelqu'un qui entend? Je vais te montrer aujourd'hui. Na kola kisongo lelo. Soyeba ketango Yesu azoya atala banani bazana na kondima. Lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour vérifier qui ont la foi. Et tout ce qui se passe dans ce monde ici est uniquement pour ma condamnation dans les yeux. Et tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est pour tuer notre foi. Les lots, ils ont soi contre l'Église. Tout s'élève contre l'Église de Jésus aujourd'hui. L'Église, vinga pas pasteur, balo baoyo, atabasali, vinga mutu yonso mabe. On ne dit que du mal des pasteurs, jamais de leur bien. Tout ce qu'ils font, c'est mal. Et il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Objectif principal est ça pour ma condamnation. Il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui. Leur mission, Bandi c'est tuer Yesu la foi de plusieurs. Pour que les gens ne croient plus en Jésus-Christ. C'est pour qu'ils affaiblissent la foi de plusieurs. Oh Jésus. Quand je reviens, moi le Messie. Ngai Messie attendre na kozonga. Trouverait-il la foi sur la terre? Na kokuta kondima na mokili motuna. Bien-aimé. Olingami. Booster kondima. Tindika kondima na yo. C'est l'ordre Romains 10, 17. Suivant Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient. Kondima yaka. Parce que. Na oyo. On entend. Tozoyoka. Et on entend. O tozoyoka lesus. La parole de Dieu. Na iloba nzambe. Beaucoup m'ont écrit, beaucoup m'ont fait c'est béni. Que Dieu te bénisse. Pour la révélation, ils ont bima. Ils ont poussé kondima na yo. Parce que Bayoki, on m'a pas besoin d'affecter. Que moi et ma famille, nous ne serons pas. Amen. Mingi ba komelinga tata, ma tondo pona nous sozo teya, pour te zoom matza koni manabiso, pour te biso na lima bota na biso togo sima mate.
ce qu'otaki otali na ba documentaire ba ife ya fleur mabeo na ni kotanga komona ba ife créer na ba tumusus bazaki ba tu aliboso na Chine mais ba community ba yamba muzo ba ko manifester bizarrement natali na lobi ça c'est un démon ça c'est un esprit. Si tu suis des documentaires, tu verras les premières personnes à être atteintes par ces virus. Ils commencent à faire des phénomènes. Avant, bakoufa, bakomi kose, comporter neti banyama, neti nyao, neti bois. Avant de mourir, ils ont commencé à manifester des comportements bizarres, comme si c'était des chiens, des animaux. Et talisinga ke eza démoniaque. Et ça nous démontre que ce virus est démoniaque, satanique. Et n'a déclaré démon wana iko pousa na domaine ayote. Amen. Je prophétise, je déclare ça, ce démon ne s'approchera pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient de l'enfer est diabolique. Nous ce outil fait le ça satan. Tout ce qui vient de la ténèbre est diabolique. Oh non, ce outil mon lili et ça penda ya satan. On peut penser comme je m'en fous. Peu importe le nom que vous lui donnez. C'est démoniaque. Mais Esa y a Satan. Yeshua l'oublie, c'est le diable qui vient voler, détruire et égorger tout. Yeshua l'oublie, mon gouna Satan a rapport à quoi il va couper, mais ça fait quoi pour moi? Mais l'oublie, moi Jésus, l'oublie, lui Jésus, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, pas la mort en abondance. Et l'oublie, c'est toujours mes malheurs, Esa satanique. Amen. Tout ce qui amène la mort est à Satan. Alléluia. Amen. Mais Dieu voit tout. Il permet tout. Parce que l'ilobanaye doit s'accomplir. Amen. Zambia Zota la Zomona Nyon Sope, Azotika Nyon Soko Kisama, Pouette Masakolinaye et Kokisama. Voilà. Parce que la méchanceté des hommes est l'équipe. Et comme il a tango ya Sodome na Gomorra. Et l'équipe qui a tango ya Sodome na Gomorra. Nathalie, image, mon réseau social, baout ko sala avant, et qui dokyo, et frappé mokili. Namona bami bali, nabami bali, balati kaka, awana se, tos nu, bazo se embrasse neti moisi na mobali na vie. Bami batala bangwe, bele! Je na Europe kuna, na bibi oyo. Mon Dieu. Quoi? Je vis un documentaire. Avant que ces fléaux ne frappent le monde, en Europe, il y avait des gens qui s'embrassaient, des hommes entre hommes qui s'embrassaient et ils n'avaient que des sous-vêtements. Diabolique. Esaïa Satan. En public. Et ça pensa mangomba batobele basangani. J'ai ça dans mon téléphone. Nazana ngo bilili wana. Sikopona ni kande azambe kotele bate. Comment la colère de Dieu ne tombera pas sur la terre? Et ça sonne. Dégueulasse. Puis ça salité. Dégueulasse. Et ça salité. Ça c'est le diable. Wana et ça chétani. Kondima Eyaka, disons. Romains chapitre 10, verset 17, version Darby. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ah, la parole de version Dieu. Lingala. La seule fabricateur ou le seul fabricateur de la foi, c'est la parole de Dieu. Mosali Kondima Azali Bobele Iloba Nzambe. Yango. Gonga ya kolia liloba zambe ya boyo ozolia ngote ke ozolia fufu wana anduka ndeko soki ozolia fufu ozolia matabele olia kaliloba te oza zoba te na komona Yesu. Amen. Parce que loko za ngo besoin mutu ya eza kondima. Parce que le juste vivra par sa propre foi. Mais si je viens sur la terre, trouverait-il la foi? C'est-à-dire sur la terre, on a besoin de la foi pour vivre. Amen. Le temps est là pour que tu manges, tu consommes la parole de Dieu en abondance à gogo. Parce que si tu peux manger la nourriture humaine, tu as besoin de la foi aussi. Jésus a dit, il va revenir. Est-ce qu'il va trouver la foi dans le monde? Linga. Linga la version, verset 17. Boye, batoba koki kondimaka kasoki bayoki sango.
pesango yango euti na maloba ya Christo. Sango yango euti na maloba ya Christo. Alléluia. Amen. Yoka version semer. Romains 10, 17. Donc la foi naît du message que l'on attend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc la foi naît du message que l'on attend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Kondima eza né et botami. Nanzela message oyo tozo attend tozo yoka. La foi est botamaka, la foi née du message to sango oyo ngano tozo yoka. Sango wana uti na loba nzambe. Alléluia. Amen. Tanga basio mususilia na. Praise the name of Jesus. Alléluia. Version monde nouveau. Merci. Ngala. Yango wana kondima ewutaka na likambo oyo moto ayoki. OK. Be likambo oyo moto ayoki. Et il y a un zéla ya liloba ya Christo. Voilà. Amen. Quand il y a un kanam, il y a un likambo oyo mutu ayoki. Denge moko ko banga la peur. Et il y a un likambo oyo mutu azoyoka. Soko zoyoka ba négativité. Okuba oku. Eko kosa eko botsa ko banga. Denge zoyoka pe liloba zambe. Eko tsa ko ndima. Amen. La peur vient par rapport à ce que l'on entend. Et de même aussi, lorsque tu entends la parole de foi, la parole de Dieu, ça fait naître en toi la foi, l'espérance. Ça, c'est le temps. Message à guérison. Message à visitation surnaturelle. Message à condiment. Au pompé condiment. Amen. C'est le temps pour nous d'écouter les messages de la foi, de la guérison. Dès que tu sens quelque chose de bizarre dans ton corps, tu commences à déclarer les promesses de Dieu. Parce que nous avons été informés ceci à travers de sa parole, que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas ont été façonnés, fabriqués, créés à travers de la parole de Dieu. So c'est tout à fait normal que konima euta kona. Eza malamo eza nango normal que la parole de Dieu. Tanga soki esilito to keina. Okay. Hébreux chapitre 11 verset 3. Voilà. Version Darby. Par la foi nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Par quoi? Par la parole de par Dieu. Par quoi? Par la parole de Dieu. Si les mondes là où nous sommes ont été créés, fabriqués, inventés, si tu peux dire, hein, façonnés comme tu peux, par la parole de Dieu, c'est pour dire, par cette même parole qui a fabriqué, façonné cet monde ici, là où nous vivons. Par cette même parole, au coco longue la mokiloué. Amen. Ce qui nous sont au gico mona et outil, naliloba ensemble, naliloba on a peka kokoko longa dans tout ce que nous pouvons voir dans ce monde. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Ok. Version lingala. Oui. Pour la bonne dimina biso, toyebite, nzambe asala li kolona se na maloba na ye. Asali li kolona se. Oyozo mona na misu. Na oyozo mona na misu te. Asali yoso nanzela nini li loba na ye. Il a tout créé par sa parole. Yes. Version semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Harmonieusement organisé, fabriqué, façonné par la parole. Si la parole est derrière la création, parole wana na katia création wana et ko fait yo vivre le banzambe ezali na sima ya mokilo toza komona kaka le banande ko longi sayo na nyoso toza komona na mokilo yango wana l'homme ne vivra pas seulement par le pain
Voilà pourquoi et il a dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le temps de vivre par la parole de Dieu. J'ai les nourritures que je mange. Ses disciples l'ont régalé, ont dit, mais Seigneur, tu n'as pas mangé depuis un certain temps. Il leur a dit, ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Ma nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui a créé le monde là où nous vivons. Et par cette même parole, tu vas vivre au-delà de tout. Est-ce que vous avez dit? Amen. Par cette parole, tu vaincras par la parole. Voilà. Amen. Simple. Et ça n'est pas facile. Tout ont été créés par la parole. Nous sommes salés makana liloba. Tout doit répondre à la parole. Nous sommes ezongi saka kakana liloba ensemble. Alobi, mes paroles sont esprit et vie. Alobi maloba nangaza molimo pebo moyo. C'est l'esprit qui vivifie. Molimo ne pesa kabo moyo. La chair profite de rien. Nous suni pesa ki lokote. Soki o kotina liloba liloba e kotina katina yo. O komi esprit. Et comme ici au esprit. Si tu entres dans la parole et la parole entre en toi, ça fait de toi un esprit. Et tout ces fléaux, ces virus ne t'atteindront point. Alléluia. Amen. Continue. Hébreux 11. Amen. Hébreux 1. Verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Oui. Version Darby. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et oui. En plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, verset 2, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles aussi il a fait le monde. Alléluia. Héritier de toutes choses. Aza na contrôle. Yende mokozi ya mokili. Yende mokeli ya nyonso. Il est le créateur de toutes choses. Yende kololo bango. C'est lui le propriétaire de ce monde. Kolona mabele ezayaye. Le ciel et la terre lui appartient. Makomi lobi, le ciel et la terre lui appartient. La parole de Dieu nous dit likolo bena se ezayaye. Et tout ce qui est dedans. Pe nyonso za na kati. Oyo batu ya mokili bazo sala ba yebite ke kololo bango azawa na zo tala zo seka. Tout ce que le monde fait, ils ne savent pas que le propriétaire du monde est là et il se rit d'eux. Continuez. Verset 3, version Darby. Qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, oui. Et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. Il soutenait toutes choses par la parole de sa puissance. Asimi mokimba na lobanaye nguya. Nyoso ezo tosa lilobanaye. Tout obéit à sa parole. Parce que nyoso ekelami na nzela ya liloba. Parce que tout était créé par la parole. Tout kotanga na Hébreux 11. Nous avons lu Hébreux 11. Tout kotanga verset 3. En verset 3. Nous comprenons que le monde tout entier a été façonné, créé par la parole de Dieu. Ici, Hébreux 1, 3, lobi, il soutient toutes les choses Asimignoso. Par sa parole. Version Lingala. Regardez la mer. Ma vague. Regarde Iwa, la vague. Iwa. Les grondements de vagues. Et ils viennent s'écraser au bord. C'est sa parole qui limite. Il n'y a pas de porte. Mais c'est sa parole qui limite l'orgueil de la mer. C'est sa parole qui soutient la lune. Qui soutient le soleil. Il a créé tout par sa parole. A quel oignon son amalobanaye. Et toi. Nangai. Et moi. Il soutient toutes choses par sa parole. Asimignon son angouya l'obanaye.
et à l'obé les justes. Baoyo bandibi. Bako vivre seulement na mapa, na matembele, na chikwang. Yo kuveli chikwang nan. Na dendon. Na dendon. Obi, mais l'homme vivra par toute parole. Amen. Qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole donne la naissance à la foi. Mm. Et l'homme vivra par sa foi. L'importance de la parole. C'est lui qui donne la naissance à la foi. Et c'est par cette foi qu'on va vivre. Parce que notre monde a été créé par la parole. C'est sa parole qui soutient toutes choses. Il obana inde simba nyoso. Yango zala mondemi ya liloba. Ainsi soit croyant de la parole. Makambozo mona nyoso e bouge yote. Que rien ne t'ébranle, ne t'effraye. Tika liloba zambe de bouge yo. Laisse que la parole de Dieu te bouge. Amen. Il est au-dessus de tout. Yango nezali kolona nyoso. Dans ma méditation et ma déclaration ce matin, na koti na John chapitre 3, verset 31. Alors, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Alors, moi, yes. Moi, je suis d'en haut. Amen. Je suis au-dessus de tout. Amen. Nazar Likolo, il y a ma maladie, ma fleur. Nazar Likolo. Oh, il y a un outil Likolo. Nazar Likolo, il y a Yonso. Et ton botamina, oh, il y a un outil Likolo. Et nous sommes de celui qui vient d'en haut. Tant qu'on engage Jean 3, verset 31. Jean chapitre 3, verset 31, version Darby. Celui qui vient d'en haut est au-dessus. Encore. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Okay. Et pas comme étant de la terre. Alléluia. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Citoyen céleste. Alléluia. Amen. Il faut y avoir une identité. Tu dois connaître ton identité. C'est le temps de vivre dans la parole. Et c'est le temps de vivre dans la parole. Que nous communions dans la parole. Que nous mangeons en abondance la parole. Pas seulement les dindons et les foufous. Pas seulement les foufous et les dindons. Nous sommes en écopérie, mais oyo, écoufakate. Tout ça périra, mais la parole de Dieu ne meurt pas. L'homme ne vivra pas seulement. Mais il y a un yango seulement. Seulement. Pas le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire l'homme, il est dans sa parole. Lui et sa parole sont un. Au commencement était la parole de Dieu. Et cette parole est avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Et cette parole a manifesté en chair. On l'avait touché comme ça. Lui et sa parole sont un. Il est esprit. Sa parole est esprit. Il est la vie. Sa parole est la vie. La vie. Mes paroles sont esprit et vie. Et lui aussi, il est esprit. Et il est la vie. Tant que vous communiez dans la parole, quand tu manges sa parole, esprit l'esprit de Dieu entre en toi. Sa vie entre en toi. Et c'est ça qui va te vivifier. Tout ce qui arrive dans ce monde ne t'atteindra point. Écoute ce qu'Ézéchiel a dit. Comme il me parlait. Comme il me parlait. L'esprit. Il me parlait sa parole. Et c'est l'esprit qui a entré. En moi. Et cet esprit m'a fait tenir debout. Voici le temps. Lorsque tu communies avec moi, ça te fera tenir debout. Au-dessus de tous ces fléaux, tu déclareras ce que toi tu crois. Alléluia. Amen. Total analobanat. Pablo kwa nayo sozolobana thank you de jana thank you. John 6 63 total. Albi mes paroles sont esprit et vie. Et Jésus alobi na Jean 14 6. Je suis la chemin, le chemin, la vérité et la vie. Abinazali solo nzela pe bomoi.
Jean 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. Oui. Version Darby. C'est l'esprit qui vivifie. Oyoki. C'est l'esprit qui vivifie. Mm-hmm. La chair ne profite de rien. Mm-hmm. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Alléluia. Version Lingala. Lui et sa parole sont un. Yena le bané baza moko. Ce qu'il est. Oyaza. Sa parole est. Il le bané et pezali. Version Lingala. Oui. Ezali moli mo moto et pesaka bon moi. Kasi makasi ya bon moto. Ezali bamba. Ok. Maloba na uti koloba etona nangui nanguya ya molimo oyo apesaka bomoi. Ok. Maloba na ye. Sa parole etondi na molimo et rempli etonda pe na bomoi. De l'esprit et de vie. Tout ce qu'il est, sa parole est aussi. Nyonso ya zali loba ne pe zali. Lui et sa parole sont un. Ye na loba ne baza sa parole dans la vie. Sa parole est esprit. Lui aussi il est esprit. Et il est la vie. Dans Jean 14, 6, alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, verset 6, alors, il y a Nazali, Zela sur le peuple. Voilà pourquoi la communion dans la parole. Et notre seul espoir à ce temps. Dès que tu vis là-dedans, l'esprit entre en toi. La vie entre en toi. Et qu'on vivifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel 2, hein? Dans Ézéchiel chapitre 2, alors, verset 1er, quand il, a dit, il m'a parlé, lorsqu'il m'a parlé, l'esprit entra en moi. Mon limo à côté la kingai. L'esprit entra en moi. Mon limo à côté la kingai. Et me fit tenir debout. Paix à kingai. Je prie tel que tu me suis là. Que l'esprit de la parole de Dieu entre en toi. Amen. Depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Au nom de Jésus Christ. Voilà pourquoi sa parole a la capacité de donner naissance à la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tanga ponanga. Ézéchiel chapitre 2, verset 1, verset 1 et 2. À 2, version Darby. Et il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je parlerai avec toi. Voilà. Verset 2. Et comme il me parlait, oui. L'esprit entra en moi, oui. Et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui quand me parlait. Quand il me parlait, l'esprit entra en moi et me fait tenir. Et tel que tu entends, ta vie, ta foi, et sa santé, ça fait tenir na santé. Na au nom de Jésus Christ. Voilà pourquoi c'est le temps que nous nous donnions à la parole de Dieu. Bien aimé, Mulingami. Jésus revient bientôt. Yes, tout ce que nous voyons maintenant sont des signes de son retour. Il nous a parlé de ça. Et c'est ce que nous vivons. Il revient bien. Antichrist, il est déjà. Motombo qui a Christo, Azali na kati na biso déjà. Azo planifié déjà ma kamunaye malembe malembe. Azo bongi satango na moke moke. Nyo sozo kokisa maloba ya zambe. Accompli la parole prophétique de Dieu. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je veux que tu crois, que tu saches que malgré que Ozakuna, malgré que tu es là-bas, la parole de Dieu au travers de ces écrans, la puissance de Dieu peut t'atteindre par la télévision. Parce que la parole de Dieu est esprit. L'esprit est inarrêtable. L'esprit est une barrière. L'esprit n'a pas de, ne connaît pas de migration. Non, barrière est
Il ne connaît pas de frontières. Il part là où il veut. Voilà pourquoi je veux que là où tu es, que tu entres en adoration ensemble avec nous. Et quand je vais prier, je veux que tu saches que mon Dieu va te toucher. Mon Dieu va te toucher là où vous êtes. N'oublie pas. Pourquoi ça n'a été? Il a dit. Alobi. Quand je revenais. Tango na kozonga. Est-ce que na kokuta na kondima? Trouverai-je la foi? Awanes. Ici bas. Bien aimé. Mulingami. C'est pour dire. Ilingi koloba. Nangongazo zonga oy. En ces temps où il veut revenir, la foi de plusieurs sera affaiblie. Il faut faire remonter ta foi. Nous devons remonter notre foi. Par sa parole. C'est le moment où on étudie Yaliloba plus que par rapport. C'est le temps pour nous de devenir des lecteurs, des étudiants de la parole de Dieu. Chaque jour. Mange-le. Et sans que consomme-le pour que ça remonte ta foi. Alléluia. Amen. Pour booster. Si tu laisses tes oreilles aux informations, c'est mort. Ça tuera ta foi. Et tu mourras. Mais si tu suis l'information céleste, ta foi sera boostée. Et tu auras la vie. Zambe mone, Zambe nangae, Bosu sojalite. Yes. Come on. Zambe mone. Come on. Yes. Zambe mone, Zambe nangae, Bosu sojalite. Yemba Zambe mone. Zambe, 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 Zamb
J'aimerais que tu puisses étendre ta main. Papa, merci pour ta parole. Papa, matondo pona liloba na yo. Na sengi. Je demande en ce moment que tu touches tous les téléspectateurs. Quoi que ce soit désir ya motema na yo. Ata posa motema na ezanini. Na sambeli. Je prie. Visitation surnaturelle. La visitation surnaturelle. Dans ta vie. Na destinée na yo. Dans ta destinée. Na makambo na yo. Ainsi que tes affaires. Na Yesu. Au nom de Jésus. Il a envoyé sa parole. Atinda kili loba na ye. Et il est guéri. Peba biki samaki. Et délivré. Peba kango la magi. De toutes les angoisses. Na onyo suzego tuki samaki. C'est là y a déclaration. Par ces déclarations. Où y a zambe et traversé. Que la puissance de Dieu traverse cet écran là. Et côté là yo. Et pénètre en toi. Na déclaré. Je déclare. Visitation surnaturelle na vie. Ta visitation surnaturelle dans ta vie. Ezala lobiko. Que ce soit la guérison. Et à la ouverture des portes. Quelles sont les ouvertures des portes? Tout ce qui ne marche pas. Où nous aussi battez. A déclaré. Je déclare. Et pas d'accord marcher. Que ça marche. Et à la yo lobiko. Que soit ta guérison. Y a pas lobiko. Reçois la guérison. Et à la yo banzela yo se kangami. A déclaré yo se kangami et fumwama. Tout ce qui est bloqué, je déclare qu'il s'ouvre. Au na Yesu. Au nom de Jésus. Alobi. Il a dit. Et loko yonso. Pour libérer Awanase. Ce que nous libérons ici. Et libérer Kuna likolo. Et libérer là-bas dans les cieux. Yo yo. Tout ce qui t'appartient. Tout ce qui est bloqué. Na libéré je libère. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Yo so ya yo. Tout ce qui est tambolate. Qui ne marche na pas. Déclaré je et pas déclare que ça marche. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je vous bénis. Na pambo libino. Je vous bénis. Na pambo libino. Atana tangi kana yo te. Même si je ne cite pas ton cas. Bien aimé. Olingami. Opikisami. Tu es guéri. Okanola. Et délivré. Ozawana. Tu es là. Ozo yoka. Bien dans tu ne te sens pas bien dans ton corps. Ma kanisi, ma be, komi ko kote la. Tu as des pensées négatives. Dieu m'envoie te dire. Changer ma kanisi. Change tes pensées. Parce que la parole de Dieu nous a dit. Comme un homme pense dans son cœur. Il est. Azali bebo. Et l'opposé kanisa wana ya kote. Ce que tu penses, ce n'est pas ça la vérité. Change tes pensées. Et ton état va changer. N'a pas mêlé toute ma canisse négative. Toute pensée négative. J'ai banni toute pensée négative. En otage. Je les prends en otage. Au nom de Jésus Christ. Na tombo na Yesu. Ozawana, ozola nangai. Tu es là, tu me suis. Ozana passe na niveau ya kingo na yo. Tu as mal au niveau de ton cou. Mon Dieu t'a guéri au nom de Jésus. Fais tous les mouvements que tu n'avais plus à faire. Tu es guéri et délivré. Aussi, osana problème na niveau ya articulation na maboko. Passe, tu as un problème d'articulation au niveau de tes mains, mon Dieu t'a guéri. Je fais que annoncer ce que Dieu me révèle. Na déclaré obikisami okangola. Je déclare vous êtes guéri et délivré. Na misapi aussi, zamenanga apikisi ozola nangai. Au doigt, mon Dieu t'a guéri. Obikisami okangola. Tu es guéri et délivré. Au nom de Jésus Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na pameli hemorrhoid one. J'ai banni cette hémorroïde. Oyo tobengi maladi ya mosomba. L'hémorroïde. Isa maudit. Elle est maudite. N'a pas gagné esprit wana. Je cherche esprit. Dans cette Biba. Corps. Au nom puissant de Jésus Christ. Attends, vous avez déjà atteint la maladie wana bazo tanga. Même si tu es déjà atteint de ces frères. Je viens te dire c'est un mauvais esprit. Je chasse toute activité démoniaque. Tout esprit diabolique. Je opprime la chasse dehors. Je déclare tu es guéri. Délivré. Que je cite ton cas ou pas. Tel que tu imposes ta main tu les poses partout, tu te sens. Guérison est à la partage. Que la guérison soit ton partage. Tu es guéri et délivré. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon Dieu. Au nom de Jésus Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés. Si vous êtes béni, nous avons besoin de votre témoignage. Que nous partageons votre témoignage. Que le monde sache que Jésus Christ est vivant.
Ne prie pas Christ. Si Dieu a fait quelque chose, tu as ce numéro qui s'affiche. Il y a contact. Le numéro de contact. Il y a trois numéros. Mais Oyo Eza Ponako Benga. Au cas de quoi que ce soit, urgence ou bien au lingo tête la monnaie n'est jamais ils a connecté à WhatsApp Benga 09 98 70 75 08 09 98 70 75 08. Benga partagez nabiso témoignage na yo sala vidéo WhatsApp muke et message audio même si il s'agit de longi na yo pour tu vas lui m'appeler, pas confirmer ce qu'ils ont bien sali ou pas. Yo, beaucoup, pour expliquer, bango. Zabé, à Pambola, yo. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Na combo, na Yesu. À la prochaine, même heure. Mercredi à 10h, vendredi à 17h, dimanche à 7h. Et rediffusion est allée. Que Zanga te zala branché et connecté. Mon Dieu va te visiter là où tu es. Car dengozo mona ba témoigner de baninga. Azo tetu la tuzaje na watemonia batabikisa mina maladi oyo ya kidoki oyo tuzana ngoteja ezambi azo continue koba ko sala que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine, bye. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour pasteur Dayo, bonjour papa. Ngai sœur Irène Mangala na France. Nazaraka ko benga yo l'année passée, j'étais malade, nazaraka na mbeto 8 mois nazaraka otambola te. Ba diagnostic ngai ke nazana maladie moko ya mikuwa ba benga spongylarthrite. Alors grâce à Dieu na ba prière nde nazai ko benga yo ko landa ba culte koyoka liloba ba déclaration prophétique. En tout cas, nazai ko yamba ngo pe nazai ko déclarer ngo papa na télémac na tambolaka e ba médecin ba kamwaki na meli ba kisi ebele na za ko zo ba injection, une injection au ventre, à la cuisse, mais maintenant ça va mieux. Il y a une seule injection qu'on na salaka o ya cuisse suite à ba inflammation pour des nazarana ba douleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite à cette pathologie? Système immunitaire nanga est diminué, donc na zakana défense li susu ya nzoto te lokola muntu muntu azarana HIV. Maladie ne se rosa tout autour, n'a pas la défense immunitaire, ta loko ta kayango, de même comme moi. Ce qui fait que tant moutouazan na kosu kosu mi yo yo, tonini, na tout autour, n'a pas eu salité, na j'ai ramasse tous les microbes, tous les virus, toutes les infections. Et pour ça, là, que je vis dans un centre d'hébergement ici en France, les en Nanterre, banlieue parisienne, n'a zui coronavirus, papa. Mais nous avons témoigné, dernier culte on a landaka avant confinement et salaman en France. Je me rappelle, c'était le vendredi et j'ai suivi le culte du dimanche aussi. C'était le 16 mars, je pense le 14 mars. On a mataka likolo a mesa na yambaka obakito matalikolo ba matalikolo ba kiti nga peska na zaraki na matalikolo a mesa na yambaki maloba nyonso papa. Penandengo lakela ki coronavirus mabe na yamba ki yango na bina bomo inanga ilakela mi mabe. Mais papa na zu yango, je voulais m'inquiéter na kanisi malobana na bina papa lobaki na kokufa te na kokufela pete. Maladi oyo te zwinga yeko sale loko moko te na nzoto na ngai kokufa. Po moto eli mo santo kati na nga maloba o nga na yamba ki wana. Ezanguya katinange ko boma virus o. Papa, je suis à l'hôpital, je suis pas encore sorti, j'ai fait 3 semaines, mais je témoigne que le virus ne m'a rien fait. Ça m'a donné 2 jours de fièvre, 2 jours de maux de dos, 2 jours ya nazai ko kakopé ma te complications respiratoires. Nazai ko ka soloté goûter, j'avais pas d'appétit. J'ai présenté tous les symptômes des maladies, mais le virus ne m'a pas détruit. Même les médecins étaient étonnés parce que je n'ai pas de défense immunitaire. Nazai na défense té soko zu virus andé ngwa muto azana défense déjà ça ko détruire. Ngai sans défense médecin lobby que j'ai fabriqué des anticorps dans mon corps que je n'en avais même pas. Na fabriqué ba anticorps oyo e bomi kutu li susu ya péché virus et ça la mosana ngwa ya mabé na nzoto na ngai. Ngai na kumi sinza j'ai dit que ça
il y a un homme qui a parlé. C'est le pasteur Dayo, l'ambassadeur Dayo, l'homme de Dieu. Et j'ai reçu cette parole, na yamba ki yango. Et cette parole a agi en moi. Yango nde ezui cher katinange salike. Virus wana et salingai eloko mokote naza bien importante. Kaka mwa kubaba symptôme akosu kosu. Je pense au courant semaine au médecin le loi yete lobby akoya akoloba nini soka ko bimisangai. Vraiment na kumi sinzambe yango na tindi témoignage nangai nazaki na connexion te. Un mois mobimba oh patiente mort dans l'hôpital a partagé une connexion on a tiré des témoignages. J'avais chargé aussi ma petite sœur qui prie là-bas chez vous, c'est elle qui c'est par son canal que j'ai connu, je vous ai connu et l'église c'est Marina Mangala na chargé qui est partie d'un témoignage vraiment na kumi sinzambe na zobisa bato bondimi la basali ya nzambe na ndimi yango bondima malobo baloba basali ya solo. Il y a un homme qui a parlé et j'ai cru, j'ai reçu. Malobanza beko kisami résultat yango coronavirus positif, mais ça lingé l'autre côté. Naza bien, nakumi sinzambe papa. Je ne manquerai pas de rendre grâce au Seigneur quand il me bénira. Nzambe a pambola yo papa. Vraiment que Dieu ajoute la vie dans tes années et qu'il continue à t'utiliser puissamment pour le salut des hommes et la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup, papa. Voilà pourquoi... Oh, bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Izanga Sergeni. Dans la Suisse, côté Eza, côté Italie, et tout comme la frontière à Italie. Dans mon cambo, ils ont passé, en tout cas, et j'ai moins d'âme pour côté de Sotozali. Donc, papa, en tout cas, ko bang kota kinga makasi. Nazaka ngana mwana. Ko bang vraiment. Et kota kinga biso makasi. Balingi to bimate. Tozaka na bandaku. En plus, na immeuble tozalaki. Tozali, batumusu bazu ba maladi. Mais, ko bang la kinga. Na kikulanda prédication matea otea kibiso en tout cas na ebité eloko nino e communiqué kinga jour wana parce que nazaki susungate na okokate papa nazokokate mais na pokwa na ekolanda prédication papa tonka kana yoki parole na yoki kaka prédica na yoki kaka voix na yo. On dirait que c'est un kimia mokoboué. Papa banda kimia wane kotanga na mutema. Ça fait déjà un mois et demi. Ça fait déjà un mois déjà. Donc, et kotanga na mutema na yoka kimia moko. Donc, kobangi silangai. Et na zonga ki normal. Na komi koutoko sambe na lobi nzambe. Kaka nenge papa ibisa rabisu. Bisika baninga bazo kufa bino boku kufate papa na meuble tozali bazo zwa batu bazo donc tokoma kutu avo bima il faut ba contrôler température ozonga na meuble il faut ba bazo longola batu bazo zo ba virus wana menga kaka prière non la mkana tongo na jus makila na sopil boswanda kunanga na butu na melisi mwana na jus eau d'olive donc kimia moke kota na vina ngai na ebite na ola na minute choku na vani na ola nda predikasyon na woke lobi ke foto akwa akuraje na ma paparolo yo kaki o esali obi omwenga na kati kutu na bite na sala message po na tinda en tout cas toza na plasa malamu o nzamba sae langa ya mingi nzamba bimisinga na Grace kote na zaraki na ina Swiss awa batu bazo ba kwa décourager nga papa na umel na foyer na centre na sali 5 mois mais na tikala jamais kotika nzambe nayo toujours na landa ka prédication déclaration yo sozo sala tokoti 2020 na zeka na kata centre maloba to déclarer ki ngai na nzimaki miracle extraordinaire et sala mela ki ngai papa kolonga na tonto sisi prière ya to sisi prière ya le 31 to kokota na janvier na umela kisuna na foyer te mbala mo ba pesinga ndaku
papa na ko pesa ndaku na mukanda mbala moko na lubake loko na ifuna na benga ka jumo pona témoigner mon téléphone ezaki ezo sonné mais moi muta ya mbazala kite nde na profiter pe na na lubango na na na, na message o dona la ba bimisinga ba pesinga ndaku en plus na zaki na mukanda na uti na ngomboka mususu eza pasi na mboka mususu bandi mayoke ba peso mukanda na bangume tellement na zaki kaka na na kondima na nzamba papa nanga ke miracle extraordinaire nanu esilite nga esalamela kinga bandi minga papa ba pesanga ndaku après de, après une semaine et demi comme ça ba ekopesanga mukanda nde omoni lelo na vandi susu yango na baki témoignage onga na otika ngote yango na na tindi message nanga en tout cas opesi opesanga kimya moko boye na makambo tizo leka do banda kimya ne kotanga eloko loko moko babua kila kingango na nzoto kubua kila do ekotisanga kimya na motema nga bi ah de faleka papa loba ponga na soit tranquille na na soit kimya kotanga en tout cas nzambe na o papa apeso kaka longue vie tout ça vraiment na pour ça na merci beaucoup papa etela yesu maboko makasi. Bonjour papa Dayo ezangai mwana yo alpha na France papa na bengi yo pona ko remercier nzambe na yo parce que nikolele kaki na banda ko kokoka ko joindre yo na téléphone te nazalaki na ba symptôme nyonso tout oya maladie o eye sikoyo na bina benga papa na bongisaki oui d'onction oui d'olive na bongisaki vitalo na biso ki papa benginga asambela pona ngai nazalaki kana kundima na bi lokola nazoka ko joindre papa te ikambute papa za na bani belé dans monde entier ikambute nazalaki kolando kaka na télévision ko prédication na oya le ya le dit ya hier tango lobaki ke non bisika nyoso tout partout aux alli dans le monde to simba télévision to simba objet nyoso tout auto lingi nguya nzambe ko traverser eko sala et miracle na kati na biso donc na zwa ki na préférer ki na zwa écharpe na bibona tambo la kana ona kingo na simba ki écharpe wana na simbi télé sika bandaya ko sambela na sentir penza puissance moko ekoti kati na ngai papa nazo kosola lisusu te nzambe banao penza akumisama nzambe nayo akumisama apesa yo lisusu makasi apambola yo ozalaka kaka wana mpona koedifie bana na nzambe merci nzambe apambola yo na libota na yo merci papa Dayo. Merci Lissoso. Merci papa. Amen. Voilà Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na vina. Nasa kola na boya. Bista balinga bazokufa okufa te. Eloko epomi tata na yoko poma yote. Eloko epomi mama yoko poma yote. Les jours de chaque chrétien, pour tout le monde, va savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? À partir de la commission intouchable. Amen. La commission invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenyuwa.